Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Je suis revenu vous faire une autre session de blues. Cette fois, je vais vous faire un blues majeur comme les autres fois. Alors, si vous suivez, je me rappelle vous avoir dit qu'il fallait qu'un blues majeur est basé sur trois accords. Pardon, la 1, la 4 et la 5. Donc, dans ce cas, un La, un Ré et un Mi. Tous en septième. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce que plusieurs artistes ont utilisée pour donner un peu une tournure assez intéressante au blues. Alors ils utilisent le La, comme d'habitude, le 1. Et cette fois, au lieu d'utiliser la 4, ils utilisent la 6. C'est-à-dire 1. Dans ce cas, La, 1. Fa bémol, enfin Fa bémol, Fa dièse mineur, d'accord? Ils font ça, ils régressent en chromaticisme, descendant au lieu d'être ascendant. Donc, ils font. Donc, un Fa dièse, un Fa et un Ré et un Mi. Dans le contexte. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de. Donc, il y a eu plusieurs artistes qui ont fait ça, notamment Jimi Hendrix, par exemple. Alors, Jimi Hendrix, il va faire. Faire la fa dièse, il va faire comme ça. Il va faire. D'accord? Alors aujourd'hui, on va travailler ça en funk blues. J'ai déjà loupé le truc. Yes, I stand up next to the mountain and chop it down with the edge of my hand. Oh, well, I pick up all pieces and make an island, not even just a little sand. Cause I'm a voodoo child. Thank you.
fait ça, je voulais vous montrer les gammes que j'utilise. J'essaie de ne pas compliquer la chose, de ne pas réfléchir en mode. J'essaie plutôt de réfléchir en gamme. Et plus en note qu'en gamme, en fait. J'utilise une gamme pentatonique de La, comme on utiliserait dans un blues. J'utilise aussi une gamme de La majeur, septième, enfin pas majeur septième, mais septième. Mi mineur. C'est un dorien. Aussi mi blues. Aussi un mi majeur. Septième, pas majeur, pardon. Et j'utilise une fa, pentatonique mineure, des fois je la pimente. D'accord? J'utilise beaucoup de chromaticisme. Comme dans cet exemple. Voilà. Donc une autre fois. Alors il y a un fa majeur, comme ça. Le fa. L'autre la, qui est un la mineur. Un mi, le fa, d'accord. Et ici il y a un fa mineur, un fa majeur qui est voilà. Et j'utilise aussi une semi diminuée sur le la, des fois, comme ça. Ça donne plusieurs variations quoi. Au moins inspiré un tout petit peu. Assalamu alaikum. J'espère que vous aurez un bon week-end. Barakam sdak. Allez, tais-toi. Salut.